Voyez, si vous revenez dans 3 ans ou dans 2 ans et demi, tout sera construit autour, mais toujours avec l'idée d'avoir des espaces verts et un meilleur équilibre que précédemment entre la nature et les hommes et la construction. Il reste un micro-quartier qui pose problème, c'est le quartier des aviateurs ici, un quartier d'habitat social. Et donc nous avons acquis le bout de cette presqu'île avec un promoteur social. Et on va refaire du privé dans ce qui est aujourd'hui uniquement social. Donc là évidemment on gardera tous ces arbres. Et l'idée c'est de faire une promenade verte tout autour de l'île des Bois Blancs pour entourer, je dirais, la Dole. Sur le projet des aviateurs, il n'y a pas eu de concertation. Il y a juste eu une information qui a été réalisée auprès des habitants à la veille de Noël 2019, où avec un PowerPoint, très sèchement, ils ont appris à la fin que 3 barres sur 6 seraient détruites. Voilà. Et donc tu repars de la réunion avec cette violence-là dans l'annonce. Mais il n'y a eu aucun signe avant-coureur de réunion d'explication. Ils apprennent comme ça qu'ils vont devoir déménager. Les aviateurs, oui, c'est un groupement d'HLM qui sont au Bois Blanc. Donc la vie des aviateurs, elle est liée aussi à l'histoire des Bois Blancs. Hein, ça, il faut bien le savoir. Les Bois Blancs, c'est un quartier ancien quand même. Et surtout, c'était un quartier où il y avait beaucoup de travail quand il y avait les usines textiles. Et tout se faisait très proche. Il y avait l'usine qui créait le fil, ensuite on le tissait, ensuite, voilà, il y avait la teinturerie. Mais toutes ces usines ont décliné. Et aussi sont arrivés les aviateurs en 1960. Et les aviateurs ont été construits pour accueillir quand même la population de Saint-Sauveur qu'on démolissait, parce que tous les courets de Saint-Sauveur, dans le centre de l'île, on les a démolis. Peut-être malheureusement, je pense, il y avait un aspect positif et un aspect négatif, comme toute chose. C'est sûr qu'il y avait peu d'hygiène, mais dans ces courriers, il y avait beaucoup de vie sociale. Nous sommes arrivés dans le quartier, puisque ma mère habite le rez-de-chaussée, depuis 1963. On est des anciennes Saint-Sauveur, en fait. Donc pour ma mère, c'est dur, elle a 86 ans. Et là, se voir comme ça, d'un seul coup, dire, ben voilà, on va démolir. Elle a tous ses souvenirs. Nous, on a tous nos souvenirs dans le quartier. Mmh. Puis, on dira ce qu'on veut, mais c'est un bon quartier. Mmh. Tout le monde se connaît. C'est une île dans l'île. C'était un quartier vivant. Tout le monde se rencontrait, tout le monde se connaissait. On voyait des gens avec les commerces ou ce qu'on avait, puisque comme j'ai déjà dit, à cette époque-là, le quartier, on s'autosuffisait avec tous les commerces qui étaient dans le quartier. On n'avait pas besoin de partir ailleurs faire les courses, il y avait tout. Du boucher à la droguerie, aux épiceries, c'était complet. Il n'y avait pas besoin de sortir du quartier. Tu voulais aller le soir, le week-end, tu avais le cinéma qui était là au-dessus, tu en avais un autre là-bas au bout. Je dis, c'était un quartier, c'était un village dans la ville. Alors, 1960, j'ai 3 ans quand même. Hein. Mais 1960, c'est le début du Bois Blanc. Donc, les bâtiments viennent d'être construits. Il y a les marches, mais il n'y a pas de rampe dans les escaliers. Ils sont tout neufs. Et puis, les gens arrivent ou du Vieux-Lille, ou alors de la rue du Moulinel, tout l'île garnie, l'île Flandre, tout ça. Tout le monde arrive de là. Saint-Sauveur, c'est Bois Blanc.
Et ici, dans cet appartement, donc, arrive la famille Chétan. La famille Chétan, c'est la maman, le papa, 6 enfants. Et puis, voilà, tout le monde se côtoie, tout le monde se connaît parce que tout le monde vient de Saint-Sauveur. Donc, c'est ça, le bois blanc. Le papa travaille à Kuhlmann, la maman ne travaille pas. Souvent, les parents, la mère ne travaille pas parce qu'elle s'occupe de ses enfants. Et puis le papa fait les 3-8, donc 6h, 1h, 1h, 9h, 9h le lendemain matin. Et c'est tous des papas qui travaillent ou à la Syrienne Saint-Pierre comme mon papa, ou alors chez Kuhlmann, l'usine Kuhlmann, les produits toxiques et voilà. Les enfants grandissent, les enfants, les parents, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Et puis arrive que ma belle-mère en 84 meurt. Et puis, donc moi, j'habite déjà dans la rue Colly. J'habite au 1-19 rue Colly, déjà. Et puis, je veux absolument l'appartement-là parce qu'il est bien situé, parce qu'on est devant le terrain, parce que les enfants jouent toujours dehors, au ballon, à n'importe quoi. Et puis, moi, je reprends l'appartement, donc le 1er mars 1985. Et on est en 2020 et Fatima est toujours là, dans ce même appartement. Elle a fait plein de travaux, elle se sent bien. Elle aurait bien voulu rester plus longtemps, mais voilà, les choses font que dans 3-4 ans, on partira. Donc, un petit peu déçue quand même, parce que c'est ma vie, c'est mon appartement. J'aurais voulu acheter, on n'a jamais, ça s'est jamais fait parce que LMH n'a jamais voulu. Sinon, je crois que j'aurais acheté ici. Et puis, voilà. Voilà, donc 2020, toujours là, 35 ans de 6-7 rue Colly. Moi, ici, j'ai eu 2 enfants, oui, une fille et un garçon. Et puis, qu'ils ont grandi au Bois Blanc, tous les deux. Ma fille, elle a connu que le Bois Blanc et mon garçon aussi. Et puis. Désolée, là. Tu peux répondre. Réponds. Oui, Célia. Oui, ouais. Ouais, je suis occupée. Dès que j'ai fini, je t'appelle. J'ai eu du courrier pour toi, je t'appelle. Ok, t'es où? Bon, je t'appelle dès que j'ai fini. De toute façon, je dois appeler maman. Allez, bisous, à tout à l'heure. C'est ma petite fille. Si tu vas visiter des logements des aviateurs, ce sont des logements traversants. Une belle épaisseur, double orientation. Ils ont le soleil, le soir, le matin. Ils ont des espaces où on respire autour. Il y a des vues sur l'eau. On a des vues directes vers le port, en fait. Vers ce qui se passe, vers les rives. Et c'est ça qui est important. Et puis après, on ne se met pas souvent en posture, mais quand on est sur l'eau, on a aussi des vues rentrant dans le quartier. On voit la profondeur du quartier aussi. Ça marche dans les deux sens. Ça fait pas un mur qui fait rideau et qui fait barrage, en fait. Oui, et puis bon... Tout ce terrain qu'on a, tout ça, c'est agréable. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. On a de la verdure, on a ce qu'il faut. Quoi. Après, ça s'est commencé, les magasins ils ont commencé à fermer l'un après l'autre. Quand il y a eu les supermarchés qui se sont installés, supermarché Match, Prise Unique et tout ça. Les supermarchés qui ont fait tout fermer. Ouais, qu'ils ont foutu en l'air tous les petits commerces. Bien, bonjour, je salue. Vous allez? Ouais, le marché, c'est un peu normal, il n'y a personne qui y va. Ben voilà, c'est ça le problème. Faire un marché s'il n'y a pas de clients. Hein. C'est vrai, ils ont fait depuis que je suis au Bois Blanc, ils l'ont essayé 2 fois. À ma connaissance, une fois dans les HLM. Là. Ouais. Et ça a bien marché. Même à l'avant-place, ça a bien marché au départ. Au départ, Enfin, les 2 premières fois. Ouais. Les après, 2 premières années. Il n'y a personne qui y va. Ouais. Si vous êtes connu où? Eh bien, au Bois Blanc. Ben, c'est ça. Raconte-nous. Alors, on s'est connus. On sortait ensemble, en boîte. Et moi, j'allais plutôt à la barque à Jack avec les copains, avec d'autres copains que lui. Et bon, après, je l'ai connu. On a été manger au restaurant, puis voilà quoi. Donc, 2 de Bois Blanc.
Lui de la rue Colli, moi de la rue Colli. Et puis il y a eu d'autres couples qui se sont formés du Bois Blanc. Oui, on a beaucoup d'amis. On a des amis qui se sont rencontrés. Il y a Fatima avec Alain, Jojo avec Jean-Claude. Ouais, ouais. Ouais. Non, c'est une ville ici. Non, c'est vivant, c'était un quartier vachement vivant, convivial. Quand tu voyais des jeunes qui faisaient leur vie, qui se mariaient, qui partaient trouver un logement où ils pouvaient, et où la chose première à refaire, c'était de retrouver un appart pour revenir sur le quartier. Moi, c'est pas comme maintenant, bah, faut que je me marie, je m'en vais habiter à l'Anversaire ou à Marquette et j'y reste. Là, c'était du transit avant. Le temps du début du mariage, j'y partais, et dès qu'il y avait une occasion de pouvoir revenir, c'était ça, hein, les gens. C'était leur quartier, c'était leur vie. C'était leur vie. J'habite les Aviateurs depuis, depuis que je suis née, en fait. J'ai 23 ans. Donc moi, j'ai toujours grandi ici. Après, j'ai déménagé sur Vauban et après, on est revenu dans le quartier. Les habitants, ils se connaissent tous. On s'entraide quand il y a une personne qui est dans le besoin ou qu'ils veulent porter, qu'il y a du mal avec ses courses, on va l'aider à porter ses courses. On s'entraide. En fait, le quartier, c'est bien parce que tout le monde à peu près se connaît. Et quand il y a quelque chose, on se rassemble tous. Où on parle entre nous, quand il y a le parc entre les tours, l'été on essaie de se rassembler, de faire un barbecue, même de faire le balade autour du canal, on se croise tous. C'est ça qui est bien ici dans le quartier. Nous, moi j'ai connu la jeunesse avant, c'était magnifique. On allait même faire des fêtes, des soirées ici. On allait jouer à la belote, on allait dans des mazettes gras ici. C'était une super journée. On était si bien. Mais tout s'il y avait quelqu'un qui pouvait des histoires, on les défendait. Et maintenant, quand il y a quelqu'un qui va se faire frapper dans la rue, tu crées. Il s'en fout, tu vois. Ça va? En forme? Voilà. Ben, me dis la vérité. Hein. Avant, c'était quoi? Hein. Voilà. Lorsque j'étais ado, quand j'avais 15, 18, 20 ans, en fait, c'était encore une blanchisserie qu'il y avait là. Et juste là, ici, là j'avais une dizaine d'années, hein, il y avait un ferrailleur, ici, à cet endroit-là. Et c'était des amis à ma mère. Si on voit les projets qui vont être faits avec l'ANRU pour l'avenir, je pense qu'il faut une vraie démocratie participative. Mais j'en doute. J'en doute quand même beaucoup. Parce que moi, j'ai peur que Villogia, qui a tout acheté quand même à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire pas simplement... D'abord, il a acheté la maison des Montpellier, ensuite l'usine, ensuite tous les terrains. Est-ce que Villogia est capable aussi de négocier avec les habitants? Donc, moi, c'est ma grande question. Alors, la démocratie participative, je vais vous dire, moi, j'ai beaucoup participé entre 2000 et 2013. Hein, j'ai participé aux instances lilloises. Et je peux vous dire que maintenant, après y avoir passé énormément d'heures, je suis très sceptique. Je suis en colère parce qu'on ne nous a pas... sollicité. On ne nous a pas sollicité pour nous en parler, ouais, pour discuter. Pas... On nous a dit ça 10 jours avant Noël. Et après, joyeux Noël, quoi. C'est inadmissible. Ouais. On aurait pu déjà avoir une réunion, tous les gens du quartier, enfin, tous les gens des immeubles, déjà, pour dire, voilà, il y a une grande réunion, votre présence est indispensable en fait, pour dire ce qu'on envisage de faire. En fait, je suis d'accord qu'ils sont obligés d'abattre, ils ont envie d'abattre. Mais une vraie concertation. Pas comme ça, du jour au lendemain, dans 10 jours, Villogia y a racheté, et voilà. On nous a dit, là, c'était la salle qui était là. Il y a une réunion, je sais plus, en décembre, réservée aux locataires des HLM ici, des bars. C'est là qu'on nous a dit, ça va sauter. Toc, 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 ça saute. Et bon, à notre âge aussi,
Et à déménager et à repartir là-dedans. C'est pas... Il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible dans l'histoire. Ils vont détruire toute la rue ici, et ils ont changé toutes les chaudières. C'est pas normal. Ils auraient pu changer le lino. Tant qu'à faire. Ça, ça serait un débat à faire. Moi, je dis que on a plus assez de... Alors, avant, on avait des réunions avec LMH, avec la mairie, à la salle de concertation. Au moins 2 à 3 fois par an. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Donc, on peut plus dire qu'est-ce que vous allez faire dans le quartier? Est-ce que vous allez... On va avoir un commerce? Est-ce qu'on va avoir ça? Est-ce que quelqu'un peut reprendre ça? C'est fini. On n'a plus de dialogue avec personne. LMH nous a abandonnés. Parce que là, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va être logé. Depuis décembre qu'on a eu la réunion, on n'a aucune nouvelle. Et puis, la mairie, pareil. Hein. La maire, elle faisait des... Pas forcément elle, mais il y avait ses adjoints qui venaient au Bois Blanc et qui faisaient des réunions ou à la salle Brossolette, ou à la salle de Yuri Gagarine, ou à la salle de concertation. Maintenant, on n'a plus personne qui vient dans le quartier. Après, on verra, hein. Mais de toute façon, même s'il rénove, le loyer augmentera, de toute façon. Bilogia, il ne va pas laisser les loyers à ce prix-là. Ils ont fait ça à l'Île-Sud. Hein. À l'Île-Sud, ils l'ont fait à Roubaix-Tourcoing, ils ont tout fait. Ils ont tout réaménagé. Est-ce qu'il paraît qu'à l'Île-Sud, moi, ma fille, elle m'a dit, parce que moi, je connais quelqu'un aussi qui est à l'Île-Sud, qui habitait le Bois Blanc. Digicode, résidence fermée, les appartements, c'est même pas la peine. Mais seulement, ils ont pris 150 euros de plus dans le loyer. Hein. Moi, les 150 euros, je ne peux pas les mettre. Donc, c'est ça qui est dommage. Parce que, de toute façon, tout le monde y perdra. Parce qu'ils vont les faire, et plein de gens me le disent, hein, ils vont les faire déménager. C'est pas dit que forcément, eux, ils vont revenir. Hein. Parce qu'ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont dit, mais si, on va vous remettre dans votre appartement. C'est pas vrai. C'est pas... Et plein de gens ont peur de ça. Parce qu'une fois qu'ils ont payé le déménagement et tout, si vous croyez qu'ils vont repayer le déménagement une deuxième fois pour les remettre dans où ils ont rénové et qu'ils ne sauront pas payer leur loyer, c'est niette. C'est pas vrai. Parce qu'ici, ils veulent... Et je le sais, moi aussi, Eurotechnologie. Ils veulent un standing ici parce que ça fait tâche avec Eurotechnologie. C'est pour ça qu'ils ont fait plein d'appartements à la gare d'eau. Parce que ce qui paraît que le Bois Blanc, ça fait tâche, les anciens appartements. Il y a 380 ménages ici, hein. 380 ménages à reloger, hein. C'est énorme. Non, ils consultent les gens, mais en vérité, ils ne pourront pas loger tout le monde où on voudra. C'est pas possible. Je comprends pas, parce que de toute façon, moi je dis que, bon, faut pas perdre de vue que c'est des bâtiments qui sont là depuis la Brière. Et je pense que l'escarcelle du bailleur a dû bien se remplir, parce que depuis le temps, ça a été plus qu'amorti le bâtiment. Donc, attends, quand t'es, entre guillemets, hein, bénéficiaire sur un site, pourquoi pas justement en prendre soin. C'est comme tout. Plus tu laisses dégrader, plus ça se dégrade. Moi, c'est ce que j'avais dit aux gens de la ville et autres. Mais pourquoi, quand vous faites vos commissions, que vous discutez d'un projet, mais pourquoi vous ne prenez pas un collectif d'habitants avec vous, qui, eux, vous feront ressentir vraiment ce qu'eux vivent au jour le jour. Hein, c'est pas sur... on va faire un tour au Bois Blanc aujourd'hui. Ah ben, faudrait me virer ça, faudrait faire ça. Faut voir la vie des gens qui vivent, là. C'est leur vie, aux gens, là. Hein? Est-ce que les aviateurs maintenant font tâche par rapport à la nouvelle école de musique? C'est ce que beaucoup de gens se posent la question. Ils ont l'impression qu'on les vire parce qu'on a voulu faire quelque chose de beau pour une population qui n'est pas la leur, qui n'est plus la leur. Parce qu'au début, il y avait beaucoup d'enfants du quartier quand Marie-Astrid Auffray a lancé l'école de musique. Il y avait beaucoup d'enfants du quartier qui étaient à l'école de musique. Maintenant, je crois que tu peux chercher sur 5 personnes, tu ne les trouveras pas. Bah,
Je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont construit. Je vais aller voir si je rencontre encore des personnes qui sont restées. Je vais toujours trouver quelqu'un pour aller boire un petit café ou pour revoir le quartier tel qu'il sera après. C'est obligé. Puisque je pense que... j'espère que je du bois, mais je pense que je mourrai au bois blanc, moi. je pense que je mourrai au bois blanc, ça c'est sûr. Parce que là, il y a toujours des échos. L'Emache est en train de construire, là, derrière. Mais c'est pas villageois, c'est l'Emache, là. Non, s'il y a la possibilité de se retrouver là, moi, faut voir, faut discuter, hein. Voir ce qu'ils vont nous proposer. Parce que, bon, faut... Je peux pas dire, je sais rien. Je suis un peu dans le flou, là, honnêtement. Là. Il faudrait des logements en liaison avec les besoins de la population. Et il ne faut pas non plus que la population actuelle des aviateurs soit envoyée n'importe où. Et ça, c'est notre gros point d'interrogation. Et qu'on remplace cette population, qui est quand même précaire actuellement, qui vit de peu quand même actuellement, soit envoyée n'importe où, dans n'importe quelle condition, sans qu'on puisse faire quelque chose pour eux. Parce que pour moi, c'est d'abord à ces gens-là qu'il faut s'adresser. Donc c'est avec eux qu'il faut faire l'aspect innovant. C'est avec ces gens-là qu'il faut créer quelque chose de nouveau, mais pas contre eux. Qui peut aussi construire encore dans les villes ? Ben, ce sont les privés. Donc en fait, quand on parlait tout à l'heure du rapport politique avec les bâtisseurs promoteurs, avec des financements qui doivent arriver à des dates butoirs très précises, avec un timing très serré, qui fait que même l'État, pour donner ses subventions, met la pression sur les collectivités territoriales qui mettent à leur tour la pression sur les architectes pour le projet sorte à temps. Et que finalement, le delta qu'il faudrait beaucoup plus de temps long pour travailler avec ceux qui y vivent, ben, c'est celui-là qui est réduit à peau de chagrin.